Bonsoir à toutes et à tous, lundi 28 octobre, il est l'heure de l'info. Et dans l'actualité ce soir, première entrée pour le centre Avenir Industrie qui forme 15 jeunes aux métiers industriels pour répondre aux besoins de recrutement et garder les talents locaux. À Mandron-la-Côte, en Haute-Marne, l'association Citrouille fait frissonner chaque visiteur avec une expérience d'Halloween inoubliable, vous le verrez. Et du sport en fin de ce journal, comme chaque lundi avec l'infosport de Gaël Bossu. Aujourd'hui, zoom sur la journée de l'arbitrage en football. Et voici pour les titres. Ce matin, la première promotion de l'école Avenir Industrie a débuté, donc sa formation à Saint-Dizier. Une formation pensée par 12 entreprises du territoire. Une formation qui colle donc à leurs besoins et qui permettra peut-être de créer et conserver des emplois et des habitants. Une quinzaine d'apprenants se sont engagés ce matin avec un cursus d'un an, avec la spécificité d'être en double alternance. Léo Martin. Des chefs d'entreprise, des formateurs et des stagiaires, la formation peut commencer. Pendant un an, les 15 apprenants de cette nouvelle formation vont découvrir et s'initier aux métiers de l'industrie. Une idée des entreprises elles-mêmes pour faire face aux problèmes de recrutement actuels, mais aussi pour permettre d'assurer un emploi aux alternants. Le premier point, c'est que c'est vraiment quelque chose de très généraliste où je vais pouvoir faire plein de choses différentes, de toucher à l'électricité, de la maintenance, réaliser des CACES qui seront importants plus tard. Et même si l'environnement ne me plaît pas trop, avec tout ce que j'ai pu voir, il y a forcément un métier qui va me plaire. Et comme c'est un domaine qui recherche, il y aura forcément une stabilité de l'emploi supplémentaire à l'issue de ce stage. Les alternants vont devoir faire 6 mois dans une entreprise et 6 mois dans une autre pour découvrir les secteurs d'activité du territoire. Mais avant de partir dans leurs entreprises respectives, ils doivent d'abord suivre une formation initiale. Là, ils vont rentrer en formation, donc cette promotion 121, un an, deux entreprises, un job, va démarrer par un bloc de 4 semaines de théorie, en fait, au sein du pôle formation, pour pouvoir avoir les compétences de base au niveau de la technique, des CACES, donc toute la partie réglementaire, mais aussi soft skills, RH, pour qu'ils puissent, en fait, déjà, d'ores et déjà, avoir ces appétences pour l'environnement dans lequel ils vont après être en alternance. Un des principaux objectifs de cette formation est de valoriser les métiers de l'industrie et de permettre aux apprentis de construire un socle de compétences fondamentales. Pour l'obtention de leur diplôme, certaines compétences devront être validées directement sur le lieu de production. Hier, nous, ce qu'on cherche, en l'occurrence pour notre site en particulier, c'est surtout que les personnes viennent avec leur motivation. C'est-à-dire que le métier en tant que tel n'est pas nécessairement complexe. Il faut effectivement être motivé. On va valider donc l'assiduité des personnes en formation. On va valider aussi leur capacité à intégrer des compétences de notre site. Et on pourra clairement les adapter leur profil et leur parcours par rapport à leur volonté de vouloir évoluer au sein de l'entreprise. L'objectif de cette nouvelle école, nommée Avenir Industrie, est finalement de garder les talents sur le territoire. Face aux crises climatiques et sanitaires qui ont frappé durement cette année, la région Grand Est se mobilise pour venir en aide aux agriculteurs. Cette dernière déploie alors un plan exceptionnel d'aide de 9,5 millions d'euros pour soutenir les exploitations agricoles en difficulté. Entre aide d'urgence et mesures de résilience, ce dispositif veut donner un nouvel élan à l'agriculture régionale. Écoutez la vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'agriculture, Béatrice Moreau, contactée en visio aujourd'hui. Cette aide de 9,5 millions d'euros est essentielle pour passer un cap parce qu'on a une grosse conjoncture liée aux aléas climatiques de la récolte 2024 et aussi de l'impact de la fièvre catarrhale ovine sur les exploitations d'élevage. Donc en fait, l'aide accordée est complètement différente de notre façon d'agir puisqu'aujourd'hui, nous accompagnons l'investissement dans les exploitations. Nous accompagnons en fait l'achat de matériel, la mise aux normes de bâtiments. C'est un investissement physique habituel et pas une aide forfaitaire économique que nous mettons sur la table. Et une des priorités de la région, c'est les jeunes exploitations, alors plus fragiles, que les autres. Écoutez. Nous avons souhaité accompagner les jeunes installés depuis moins de 5 ans parce que ce sont vraiment des personnes sensibles. Les quelques premières années de l'installation, vous devez faire face à un certain nombre d'apports en capitaux, de reprises d'exploitation. Et il est vrai que les personnes qui ont plus d'années d'installation, qui sont plus âgées, elles sont quand même moins sensibles aux aléas climatiques qui sont très impactants là cette année. Et puis l'impact
en fait de la fièvre catarrhale ovine sur les exploitations d'élevage de moutons et d'élevage bovin est très importante dans la région Grand Est. Hein. Nous sommes une des premières régions touchées. Et donc, en fait, nous avons souhaité vraiment toucher ce public de jeunes éleveurs depuis moins de 5 ans parce qu'il faut qu'ils soient encore là demain. Et que du coup, c'est une aide assez, assez forfaitaire, effectivement de 5 000 euros, mais c'est une aide pour pouvoir peut-être acheter un broutard, acheter un bélier pour pouvoir accompagner le cheptel de demain. Et partez à présent à la rencontre, à la découverte d'une expérience inédite et frissonnante en Haute-Marne, à Mandres-la-Côte. L'association Citrouille a construit un hôpital psychiatrique hors du commun dans la cour de la mairie. En quelques jours seulement, 15 bénévoles ont mis en œuvre un parcours immersif pour plonger les visiteurs dans un univers troublant où l'histoire et l'horreur se croisent à chaque détour. Célia Richard a tenté l'aventure. Au début, ça a fait peur parce qu'on a entendu des cris. Mais après, quand on est rentré, la première personne, c'était une médecin qui nous a beaucoup... qui était très gentille, mais après, il y avait quand même des coups de pression. Vous avez rendez-vous ? Non. Et vous vous présentez ici ? Sans appeler ? Ces trois jeunes filles ont été les premières courageuses à pénétrer l'asylum de Mandres-la-Côte. Cet endroit reculé et mystérieux qui détient de nombreux secrets. Les plus téméraires sont accueillies par la secrétaire des lieux avant de s'aventurer dans une dizaine de pièces, plus sombres les unes que les autres. Les chambres inhabitées ou presque, la salle de bain, ou encore le bloc opératoire, tout est à explorer. Donc nous incisons le patient afin de savoir si nous avons une connexion entre l'intestin et le cérébral. Les gens vont déambuler dans toutes les pièces. Nous allons avoir plusieurs acteurs qui vont interchanger avec les personnes. Et au fur et à mesure, il va se passer plein de choses. Les gens vont avoir peur ou vont en demander plus. L'association, créée il y a 2 ans et demi, se donne l'objectif de partager leur passion d'Halloween avec le plus de monde possible. Le concept est simple, une année, un thème. Il n'est pas prévu de renouveler Asylum. Parce que nous, ce qu'on aime aussi, c'est le changement. On veut que ces gens-là en prennent plein les yeux à chaque fois et toujours quelque chose de nouveau. Donc on va changer de concept en fait à chaque événement. Au plus grand plaisir du public, qui a frissonné plus que jamais. Bah, j'ai eu peur et un peu peur et j'ai adoré. Souvent sursauté puisque entre les cris et à ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est différent de ce qui a pu être fait l'an passé. Et c'est vrai que c'est excellent. Et en plus, là, je trouve que l'association fait un super boulot. Et pour un petit village comme nous, c'est génial. C'est dans cette ambiance sombre et effrayante que l'association Citrouille a pu jouer avec l'imaginaire et les croyances de chacun. Une deuxième édition réussie et des moments inoubliables gravés dans les mémoires. On est lundi, il est l'heure de l'infosport. Et bonsoir Gaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. On est ensemble pour un petit peu plus de 10 minutes de sport. Et comme d'habitude, c'est garanti sans aucune crampe. Alors au programme de ce soir, du football américain, du basket et de l'athlétisme, entre autres. Et on démarre tout de suite avec du football et le 6e tour de la Coupe de France qui a souri à notre représentant Omar Ney, le seul. Oui, il ne nous restait plus que le FC Chaumont qui était en lice ce week-end. Et le club a brillamment représenté le département face à Blainville-Dame-le-Vière, une équipe de Meurthe-et-Moselle plus faible sur le papier, mais qui avait éliminé Éclaron au tour précédent. Les hommes de Simon Giraud ont bien manœuvré, vous le voyez, pour s'imposer 2-0. Un doublé pour le serial buteur chaumontais Gaëtan Collin. Qualification pour le 7e tour, donc, avec un nouveau palier qui verra les équipes professionnelles de Ligue 2 entrer dans la ronde. Tirage au sort mercredi matin, en espérant que Chaumont tirera, comme l'année dernière, une équipe professionnelle. Chez les filles, prochain tour pour Marnaval, ce sera le week-end prochain. Oui, et chez les filles aussi, il ne nous reste plus qu'une équipe représentante de Haute-Marne, ce sont les filles de Marnaval, tu l'as dit. Elles affronteront Musso Strasbourg, ce sera dimanche à 14h30 au stade des Assyries. Une affiche à domicile qui aura un petit goût de revanche pour les Marnavalaises, puisqu'elles avaient lourdement perdu contre les Alsaciennes, 7-0 la saison passée. En effet, et on reste toujours dans le monde du foot, avec une belle initiative qui a eu lieu ce week-end, sur tout le terrain du département de la Haute-Marne.
Journée de l'arbitrage. Oui, les journées de l'arbitrage, c'est une opération nationale qui vise, bah, comme son nom l'indique, à honorer les arbitres et qui se décline différemment selon les envies de chaque département. Et le district de Haute-Marne avait proposé au club de mettre en place un petit protocole très sympathique au début du match pour mettre en avant le corps arbitral. Illustration à Maranville, c'était ce dimanche. En 4 années d'arbitrage, Romain n'aurait jamais imaginé entrer sur le terrain avec une aide d'honneur de la part des 22 joueurs. Non, applaudir l'arbitre en entrant sur le terrain, jamais. Ou alors c'est applaudir ironiquement, mais sinon, non, jamais. Non, c'est bien, ça change, donc c'est bien. Une fois de temps en temps, c'est plaisant, c'est sûr. Pas d'ironie aujourd'hui, mais bien le protocole des journées de l'arbitrage. Sur chaque terrain au Marnais ce week-end, les arbitres ont été applaudis. Une mise en lumière inhabituelle pour ces hommes de l'ombre. Match. On va dire qu'un arbitre qui réussit son match, souvent, c'est quand on ne parle pas de lui à la fin du match. Mais c'est bien de nous mettre en avant, entre guillemets, un petit peu. Le signal est bleu, les gars, c'est bon. Si on pouvait voir un peu plus ce que c'est d'être un arbitre pendant le match, les décisions qu'il y a à prendre, les critiques qu'on a, etc. Et puis si ça peut, comme je disais, amener des personnes à vouloir se lancer, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bon. Non, mais je vais faire comme je fais d'habitude, les gars, je m'occupe du joueur blessé, je m'occupe de la sanction après. Si c'est bon ou pas. Entre les critiques, les insultes et les noms d'oiseaux, l'arbitre a souvent un rôle ingrat, mais pourtant indispensable pour le respect des règles. C'est pareil que le pied au là-bas, vous arrivez lancé. Ouais, le pied est comme ça. L'initiative a donc été soutenue par l'ensemble des acteurs du match cet après-midi à Maranville. C'est une très bonne action. Au contraire, on devrait en faire plus dans la saison, car ils ne sont pas forcément reconnus à leur juste travail. Et puis, je sais que arbitrer, c'est quand même une chose compliquée. Donc, on devrait en faire un peu plus dans la saison. Des fois, je peux se mettre à leur place, ça ne doit pas être évident. Surtout avec la touche autour et puis un peu des fois des enjeux un peu particuliers du match. Il faut être pointu sur les règles et je pense que c'est pas facile. Ils ont du mérite. Celui au deuxième, il couvre. Si, au deuxième. Au deuxième poteau, pas le premier. De là à changer les mentalités autour de l'arbitrage, le fossé semble encore large. Ça ne changera pas les états d'esprit. Et on le sait, et ce n'est pas dans cet objectif-là. Si on arrive à faire comprendre à tout le monde que l'arbitrage, comme on l'a dit, est essentiel et qu'on en a besoin, c'est un bon point de gagner. À titre personnel, il n'y a pas d'esprit de dire « tiens, il faut qu'on nous félicite ou quoi que ce soit ». C'est juste d'avoir que chaque acteur ait sa place nécessaire et méritée là-dedans. La Fédération française de football perd en moyenne près de 1000 arbitres par an. Et la Haute-Marne n'échappe pas à cette triste dynamique. Chaque week-end, des terrains manquent encore d'arbitres. Et on change de ballon direction, le parquet de la Gauloise avec des Vitria qui ont retrouvé la victoire en National 3. Oui, les coéquipiers de Daouda Camara restaient sur 2 défaites, une en championnat et une en Coupe de France. Alors samedi soir à domicile face au dernier du classement, Nancy, les Vitria avaient tout simplement à cœur de repartir de l'avant. Et notamment grâce à leur adresse à 3 points, vous le voyez, les joueurs de David Dugimon ont pris rapidement une dizaine de points d'avance. On se dit alors qu'il ne reste plus qu'à dérouler. Pas du tout, les jeunes Nancéens vont poser problème à la Gauloise. À 7 minutes de la fin du match, les Lorrains reviennent même à 2 petits points. Mais les Marnais ne se font pas surprendre et serrent un peu les boulons en fin de match pour s'imposer. Dans une tension palpable, voire même bagarreuse, ce qui est dommage, à certains moments, ils l'emportent finalement 95-75. Il faudra attendre pour voir une Gauloise rassurante. Donc, le moment où on a un petit peu mieux défendu, on a pris le dé devant, mais c'était une victoire, on peut dire, laborieuse malgré les 20 points d'écart. Quand il y a des coups de sifflet un peu en notre défaveur, on doit passer outre et puis continuer à travailler, à penser à l'équipe et à jouer juste. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, encore beaucoup. C'est là où on essaye de progresser. Il y a des bonnes choses, il y a encore du travail à effectuer. Le chemin est encore long. Un chemin donc encore long, transition toute trouvée pour parler course à pied et marathon, Gaël, avec des athlètes locaux qui ont brillé. Oui, tout d'abord un Meusien en la personne évidemment de Félix Bourg que nous avons eu en interview la semaine dernière. Oui. Le Barisien a fini 3e de la très relevée Marseille-Cassis. 20 km bouclés, Antoine, en 1h04 derrière un Rwandais et un Marocain. Félix, qui avait gagné cette classique en 2021, finit 3e, mais premier Français, petit lot de satisfaction pour lui.
on double les distances direction le marathon, celui de Francfort précisément. Oui, c'est en Allemagne que deux braguards ont fait un carton. Julien Huard, nom qui résonne autour de Saint-Dizier, il avait gagné le marathon du Der et les 10 km de Saint-Dizier cette année. Il a tout simplement explosé son record personnel en bouclant les 42 km 195 en 1h24 et 11 secondes. On le voit arriver même au sprint. 42e place sur près de 8000 participants et deuxième français de la course. Chez les filles, une autre athlète bien connue localement, Marie-Charlotte Conder, boucle l'épreuve elle en 3h04. Vous allez voir les images. 86e féminine et 3e française dans la course pour la sociétaire du CO Saint-Dizier Athlétisme. Donc de très beaux résultats pour tous les deux. Et je remercie Thomas, l'entraîneur, pour les vidéos. Et beau palmarès. Hein. Et on continue avec du football, mais américain cette fois, avec malheureusement la disparition du club de Saint-Dizier. Oui, c'était les Hammers, c'était leur surnom. Ces Hammers n'existent malheureusement plus. Le club était installé à Saint-Dizier depuis 2014, mais des problèmes internes ont fait imploser l'association dans les derniers mois. Le président depuis toujours, Jean-Baptiste Roussillès, a décidé de partir en fin de saison dernière et a été suivi tout simplement par bon nombre de joueurs. La majorité des ex-Hammers sont partis au club de Chaumont. Et sans président repreneur, justement, le club disparaîtrait finalement automatiquement. Oui, les Hammers, c'est bel et bien fini, mais l'histoire n'est pas toute noire non plus, puisqu'un tout petit noyau de 5 joueuses et un joueur ont refusé tout simplement que le foot américain ne disparaisse de Saint-Dizier et ont décidé de reconstruire un autre club sur des bases plus saines. Place donc désormais au Cerbère de Saint-Dizier. Avec 6 petits licenciés pour le moment, l'opération reconstruction s'annonce très compliquée. Mais la fibre du foot américain est toujours présente dans la cité bragarde et c'est peut-être le plus important pour elle. Je vous propose d'ailleurs de revoir le reportage que nous avions tourné en mars dernier avec ces filles qui sont mordues de foot américain. Regardez. Voilà. Tac, tac. Exactement. Allez, bosse ça. Sous la lueur des lampadaires du stade, Elodie répète encore et encore son mouvement de lancer. À 21 ans, cette étudiante en management vient tout juste de se mettre au football américain et de rejoindre la seule section féminine qui existe dans le Grand Est, ici, à Saint-Dizier. Elle était magnifique. J'ai deux amies qui font partie du club. Elles m'en ont parlé un petit peu. Je suis venue voir une séance d'entraînement et puis je me suis plongée dedans avec elles au fur et à mesure des choses. Alors, c'était un sport que je connaissais évidemment. Très peu, mais du coup chez les masculins et pas chez les féminines. Et au fur et à mesure, j'ai découvert, donc il y a quelques règles qui changent et franchement, c'est pas mal, ça m'intéresse. Donc on y va. Et tous les lundis et jeudis au rendez-vous. Dans cette équipe 100% féminine de football américain, devenue au fil du temps un groupe d'amis, chacune a trouvé sa place et son défouloir. Qu'on soit un gabarit comme le mien, qu'on ait un gabarit un peu plus fin comme Kelly, au final on a tous notre rôle à jouer dans l'équipe et c'est ce que j'avais apprécié et que j'ai tendance à reprocher à d'autres sports. C'est que souvent on a tendance à privilégier la performance et souvent c'est des gens un petit peu moins costauds du coup qui performent alors que là, pour le coup, tout le monde a besoin de tout le monde. J'aime à l'entraînement parce que c'est très agréable, on oublie un peu le quotidien et puis on vit un peu le moment présent avec les amis et les coéquipières. Il y a une très bonne cohésion d'équipe, un esprit d'équipe ouf et franchement c'est la raison je pense principale pour laquelle je suis ici. Même blessée ce soir, la capitaine de cette équipe, Amélie, est venue s'entraîner avec ses coéquipières. Même blessée, il y a entraînement, il y a toujours entraînement. C'est elle, passionnée de foot américain depuis des années, qui est à l'origine de cette équipe. Ma tante est mariée à un Américain. Et du coup, je baigne un peu là-dedans depuis un peu toute petite. Donc, c'est des choses que j'adore, par exemple, regarder Super Bowl chaque année, ne serait-ce que pour le sport, mais aussi pour tout ce qui est autour du football américain. Ça reste quand même familial. C'est tellement une bonne énergie qu'on a vraiment envie de s'investir à fond dedans, quoi. J'ai eu Amélie et Kelly qui se sont portées garantes pour dire pourquoi pas créer une équipe féminine sur Saint-Dizier. Et elles ont bien pris le billet, elles ont dit vas-y, on fait. Donc je les ai accompagnées à fond. La pointe toujours vers l'horizon. Toujours. Au moment où tu t'armes ton bras comme ça. Quelques mois seulement après sa création, l'équipe Bragarde se repose déjà sur une dizaine de filles régulières et motivées. Mais Amélie voit encore plus loin pour ce qu'elle appelle son bébé. Vas-y, mets ta force. Tu me le recules. Moi, j'aimerais vraiment le démocratiser à fond, qu'on puisse toutes jouer dans la bonne humeur, qu'on se dise que ouais, les filles sont là, on peut monter quelque chose de concret au niveau national, parce que on a les moyens et on peut avoir l'effectif pour. À l'heure actuelle, nous sommes en entente parce qu'on n'est pas assez de filles pour pouvoir participer au championnat, mais le but, ce serait vraiment de pouvoir avoir le max de filles pour pouvoir
faire un bon championnat et gagner sous nos couleurs. Pour un jour monter une équipe de football américain féminine complète et 100% bragarde, il faudra pour sûr de la ténacité et de la persévérance. Mais à voir la personnalité de toutes ces filles sur le terrain, nul doute que la passion finira par l'emporter sur les clichés. Pour ceux ou celles qui seraient donc intéressés pour essayer ce sport atypique, rendez-vous les lundis et jeudis soirs au stade Charles Jacquin de Saint-Dizier. Et quelques images de natation pour terminer, Gaël. Oui, c'était les 24 heures de nage pour Octobre Rose ce week-end à la presqu'île de Saint-Dizier. Même 25 heures avec le changement d'heure. Oui. 65 participants ont nagé 130 km, soit, je vous laisse calculer chez vous, 5200 longueurs. Avec tous ces événements ce mois-ci, l'Amicale des sapeurs-pompiers d'Éclaron a récolté plus de 40 000 euros de dons. Et quand le sport s'allie à une telle cause, on ne peut que féliciter l'organisation et les participants. En effet, bravo à tous. Merci Gaël pour toutes ces informations. On te retrouve donc lundi soir prochain. Bonne semaine à tous, à lundi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec quelques images du Squarn Winston Churchill à Saint-Dizier qui revêt ses plus beaux déguisements en marche d'Halloween, des citrouilles, des araignées ou encore des personnages effrayants, de quoi attirer les passionnés en cette période de fin d'année. Le Square se revêt en un univers donc terrifiant, des animations à retrouver en programme sur le site de la ville de Saint-Dizier et des décorations qui seront disponibles jusqu'au 5 novembre prochain. C'est donc la fin de cette édition, tout de suite la météo, très bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.